Tu sens ton gros comeback là, au niveau du podium, au niveau du catwalk? C'est-à-dire que moi, la dernière fois que j'étais sur un catwalk, c'était en 1981. Donc je vais te lancer trois extraits musicaux. Tu as quelques secondes pour trouver le titre, peut-être l'interprète. Alors là, un bijou de série. Tu aimes mes transitions. Alain recommence ses transitions à la con. Un bijou de série. Et il m'avait confectionné une tunique en base de velours de Gênes. Donc ça pesait genre 10 kilos. Quand je devais franchir un seuil de porte ou n'importe quoi, je faisais... Tac, et je passais et je raccordais. C'est posé chorégraphiquement, il y avait la chorégraphie de l'épaulette, c'était un... J'adorais ça. Bah, give me, je sais pas quoi, elle dit. Mais give me, je sais pas quoi, c'est parce que je te demande l'extrait qui chante. Je sais pas. Tu sais qui c'est, ça? Une vieille travelotte. Non, le garçon, je te parle. C'est Stéphanie de Monaco? Oui, c'est ça. On dirait un vieux travelot. Donc, j'ai commencé par des énormes sapins avec une crèche que j'avais achetée moi, ensuite celle qu'ils avaient fait aller à l'école. C'est tellement joli, mon petit bouchon. La crèche maison. Ouh, là, ça craint. L'avantage, c'est que ça se casse vite, la crèche maison. Mieux. Après, tu dis, oh, elle était tellement jolie. Elle était tellement jolie. On va remettre celle que maman a achetée. Et bah, toutes les fentes ne servent pas à limer non plus, tu vois, je veux dire. Oh, mais c'est pas vrai. Ah, mais tu vas cracher dessus, on peut te laisser d'un lourd. Oui, j'en vois des postillons parfois. Oh, Brie Van de Kamp. Marcia Cross is on the show. Ou alors j'achète très, très très. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Moi j'adore jouer avec. J'ai l'impression d'avoir des cheveux. Ça marche. Et franchement, fashion faux pas. Qu'est-ce qu'il nous a fait? L'intégral jeans, non. Ah, si, il peut, lui. Les femmes sont plus accros au sport, à l'apparence de leur physique. À l'apparence de leur physique. Il n'y a que Alain Gagliardi au monde qui m'invente des formules quoi, du style à l'apparence de votre physique. Ça ne va pas? Non, non. L'apparence ou au physique, mais les deux ensemble. On l'avait compris, tu doublonnes, chérie. Tu peux être très dérangé par une odeur. Ah, oh bah ça peut être une odeur parasite. Non, mais quelqu'un qui pète au lit, ça peut être très désagréable. Tu peux ne pas trouver le sommeil pendant une nuit entière. Tu peux faire la crêpe, tu vois. C'est à base 80%, hein, oui. De bave d'escargot. De bave d'escargot. Ouais. C'est pas des excréments d'escargot d'homme, non, j'ai pas la... le bras assez long. Mais penche-toi. Ton odeur que tu adores, celle que tu préfères, c'est quoi? Écoute, moi, c'est assez rustique alors. Bon, ça me semble pas, tu es une fille de la campagne. Je suis une fille de la campagne. Hein, tu fais ta bourgeoise comme ça, mais tu es une bonne fille de la campagne. Je suis une t'es solide. T'es plus tracteur qu'en Range Rover. Ah, bah oui. Qui suis là? Qui suis là? Non, le prince Charles. J'aime le foin. Oui. Mais tu sais que moi, c'est érotique, je viole. Ah, un mec qui sent le foin. Ah oui, non, c'est-à-dire. Tu lui arraches la culotte dans l'heure. Quand tu viens de Nashville, c'est beaucoup plus facile que quand tu viens de Fribourg. Et un énorme buzz. Boom. Un buzz. Un buzz. On va l'appeler un buzz.